direct exceptionnel ce soir avec ce petit tour en vélo tranquillement dans les rues d'Annecy. On va longer le lac bien entendu pour vous faire découvrir le lac d'Annecy le soir dit. Là nous arrivons vers Bonlieu. Voilà donc on arrive en direct. Qui longe le paquet. Il y a déjà les tribunes pour la fête du lac et une petite partie qui est déjà montée, qui est sur la droite, et donc ce sera pour le 14 juillet prochain, pour la fête nationale du 14 juillet, voilà, vous pouvez voir sur la droite. Pas grand monde, hein. On roule tranquillement sur cette piste cyclable. Il y a un peu de coureurs, un peu de circulation. Caméra, voilà. En plus, on peut même tourner la caméra, voilà. Voilà, vous voyez le lac. Alors. Caméra sur la droite, c'est quand même mieux. Vous voyez, avec les arbres, bien entendu, on va se rapprocher un peu plus du lac. Voilà, regardez de très belles images. Tout en roulant en plus, et en direct, vous voyez la magie du direct sur un vélo. Nouvelle technologie. Voilà, on essaie de stabiliser l'image. Voilà. On arrive vers le square. Charles Bosson, voilà. Toujours magnifique. La caméra se stabilise. On a un petit peu mis sur la droite pour faire des
faire montrer un peu ce qui se passe sur le côté. Parce que sur la gauche, c'est la route. Mais sur la droite, regardez, on a toutes les belles choses. D'Annecy. Alors là, on va arriver vers l'Imperial Palace. On va quand même aller le voir parce que c'est quand même... de nouveau la route. Et voilà. La caméra, regardez, voilà, on est juste devant. Allez. Même par les touristes, car elle est très très connue. Alpini. Petit feu rouge, hein. Et oui, on est obligé de s'arrêter. On va dire presque, hein, car la nuit commence à tomber sur Annecy. Petite balle nocturne en vélo, avec la caméra embarquée, vous voyez, stable en plus, avec le stabilisateur d'image. Et... bonsoir à Daniel, merci de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux quand même à nous rejoindre. On va... voilà, ça y est, c'est bon. On peut redémarrer avec le petit feu rouge quand même qu'on doit respecter. Allez, on continue cette balade. Regardez, voilà. Alors là, donc, on arrive à cette fameuse plage d'Albini. Alors, c'est... voilà. Bon, actuellement c'est plutôt assez vide, hein. C'est plus calme que la journée. C'est du lac d'Annecy. En plus, très belles images. On est bien sûr en stabilisateur d'image pour. Alors, là on arrive cette fois-ci, Annecy. On ira jusqu'à l'entrée. Allez, on y va tranquille. Vous voyez que la nuit commence à tomber un petit peu quand même. Je vais faire montrer un peu ce qui se passe sur la droite, comme le bord du lac. Bouger, voilà. On va Londres rejoindre. Voilà le lac de nouveau. On vient ici le soir tranquillement. Retourner sur la piste cyclable après avoir longé cet endroit. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein, quand même. Regardez, beaucoup de monde ce soir sur le bord du lac d'Annecy. Vous voyez que le spectacle est toujours aussi magnifique, même en vélo. Vous voyez, le soir, c'est très agréable. Beaucoup de gens viennent déjeuner, dîner le soir. Bord du lac afin de profiter le frais. Les touristes ont commencé à arriver. Hein. Alors, on va essayer de ne pas aller trop vite. Voilà. Chacun profite de ces instants d'été. On est nous sommes le 9 juillet 2018. Il fait encore 27 degrés au bord du lac quand même. Hein. Il fait un temps très très doux. Se repose sur ce bord du lac. Regardez, tranquillement, ils se...
on est presque arrivé à notre destination, hein, qui est l'entrée de Verrier du Lac. On est presque arrivé. Et ben, on va vous laisser sur ces très belles images, au bout d'un quart d'heure qu'on a passé ensemble. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était sur les bords du lac d'Annecy.